Tu dis ça tourne. Ça tourne. Écoute, action. Voilà, action, vas-y. Bonjour à tous, nous sommes trois élèves de la classe cinéma Selma Baïba, Louis et Julien. Et Gustave. Voilà, alors on va vous présenter notre projet en quelques mots. Donc ça fait 2 ans qu'on est dessus. 2 ans. Silence sur le 2 years. Ça tourne. Bisous. Alors qu'est-ce que c'est un travelling? En plan, c'est le quand tu travelling, sinon c'est quand la caméra elle bouge, genre elle recule. Là, voilà. Elle avance avec l'acteur. Pas la caméra, pas la caméra, je donne une caméra. Oh là là. Eh, c'est moi le rideau. Attention, action. Ok, super. Parfait, coup. On s'arrête là. Et tu, il faut se... Attends, attends, attends. Là, qu'est-ce qu'elle a fait comme mouvement? Ah non, mais c'est un panoramique. Voilà, mouvement panoramique. Ah, bah, bon. Ah mais moi, je crois que c'est... Quoi? Je voulais dire... Comment avez-vous eu l'idée de ce scénario? C'est moi qui parle. Alors, on était en cinéma. On était en cinéma. Et on a écouté une musique. Et un monsieur Victor, ici présent, juste à côté de moi, qui a dit « Moi, je verrais bien un rhino sur cette musique. » Du coup, bah, après, on a dit bah, « Pourquoi on mettrait pas un rhino ?» Après, on a dit bah, « Un mariage de rhino. » Et la personne qui a fait la musique, et bah, elle était hyper d'accord. Du coup, bah, on a fait un mariage de rhino. Ok. Sur la partie gauche de l'écran, bah, la place pour que la voiture arrive, en fait. Donc, plus comme et ça. Et à mon avis, il faudra être sur une focale un petit peu plus longue. Voilà, c'est bien là. C'est bien là. C'est bien là. Il a jamais cet angle. Il est là, on voit. Juste mais. Et c'est pour voir à la fois le premier phare facile et le deuxième. Ouais. Mais après, c'est pas mal de le voir un peu. Comment dire, un peu emprunté. Moi, je pense qu'il faut un peu zoomer par contre. Ça tourne, action. On la refait encore une fois. Une dernière fois. Si ça prend large, le bras extérieur. Ça prend large. Ouais, j'ai une autre base sinon. Après, on risque pas. Ouais, on sera peut-être pas jeune. Alors, jeune. Oh, le plan, il doit être magique. Ça y est. Vous pouvez nous résumer le scénario en quelques phrases? Alors, il y a... Le scénario, c'est quoi ça? Le scénario, c'est une jeune femme qui va se marier avec un homme. Mais avant de se marier avec un homme, elle était en couple avec un rhinocéros. Ils se sont séparés, mais le rhinocéros, il aime encore cette femme qui va se marier. Il découvre qu'elle va se marier. Et il pète un plomb. Et il appelle son ami Monsieur Farfacide. Et Monsieur Farfacide, il dit bah, je vais t'aider à saboter le mariage. Comme ça, et bah, tu récupères la femme de ta vie. Combien de temps vous restiez à peu près sur le projet? 2 mois. Normalement, mais bien plus. Bien plus, parce qu'il faut. Normalement, on aura fini le tournage dans 2 mois. Et après, il reste tout le montage à faire. Et... Le montage, mais donc. Bien plus moi, je dirais environ 5 mois. 5 mois. Ouais, 5 mois. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir s'il n'y a pas moyen de zoomer un peu dans l'image, de reculer plutôt la caméra, parce que si je zoome, je vais avoir plutôt un plan serré. Trois, deux, deux. Donc 6, 9, 12, 14, 16, 18. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On tourne la fin du clip. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette fin de clip? Il y a la voiture qui arrive avec le rhinocéros et les personnes de Farfacide. Et il y a une bombe qui est lancée au marié. Et du coup ça fait panique générale et le rhinocéros il repart avec la mariée. En dehors on les reprendra en train de marcher en plan plus serré dans tous les cas. Ouais. Moi je pense que ça serait bien d'avoir genre plan subjectif des gens qui sont là. Quand ça va faire boum, ça va faire mal, moi je vous le dis. Salut à tous.
Mais le truc de redondance, peut-être. C'est horrible. Moi, c'est... Mon rôle, c'est d'être la mariée du marié. Et je suis kidnappée par le rhinocéros aujourd'hui. Et du coup, je me marie. C'est un bon collègue. Voilà. On cherche action. Coupé. Fort facile. Voiture. Coupé. Alors, j'ai appris que ça se mettait autour de la taille. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, les nœuds. Habille-toi fast. Hein. Quand les moines faisaient leur. Ah, c'est bon. Rentrer à la corde. Non, c'était les vœux. Ils s'engageaient à être pauvres, chastes et. Et dis, regarde. Je sais pas. Une bon, par contre, je sais pas comment mettre. C'est quoi ton rôle ici? Je suis figurant. Et tu vas faire quoi? Et ben, en gros, je suis là pour être là et faire comme s'il y avait beaucoup de monde, alors que en fait, on est engagé pour être là. Et tu sais pour quelle scène? La scène du mariage. C'est ce qui, à votre avis, c'est qui la mariée là-bas? Je connais pas comment s'appelle. Qui c'est. C'est celle qui en quoi? En blanche, monsieur Bière. Il parle pour les figurants, nous sommes figurants. On va y aller. D'accord, d'accord. Quoi ton rôle? Je sais pas, moi je vais juste m'asseoir là. C'est des figurants qui sont venus nous aider parce qu'on avait besoin. Et du coup, ils seront présents comme invités au mariage et ils vont participer. Action! Mal aux oreilles! Ah, fuyez, 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 fuyez! Fuyez vite, 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 vite! Ça va, j'attends les bras. On va prendre ça là. Il faut changer le plan. Par contre, ça se fait, tu peux mettre sur ta télé, toi tu laisses les rails de radio. Après, il faut choisir le bon parce que là, il change dans les. Ouais, un tout petit peu avant, au moins quand il normal s'arrête et que ça démarre. Il faut couper la fin. En mode, il est trop long. Ouais, je suis d'accord. Bah, sinon, il faut couper le début là. Bah, faut attendre qu'il y ait. On part pas le début déjà. Oh, c'est bien. Là, c'est trop bien pour l'instant. Vas-y, vas-y. Va lui, là. On va sur lui. Le plan, vous n'êtes pas obligé de le laisser en entier. En fait, vous pouvez jouer sur le rythme pour faire des cuts. Dans le même plan. On a fini notre partie à nous. Et il n'y a que un ordi. Pourquoi? Parce que l'autre il a. Il marche plus. Il a marché, il marche plus. Double le son, ouais. C'est bon, détendez-vous. On enlève la bande son, mais. Ouais, mais t'arrêtes, je pense. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est toi qui. Je me suis rendu compte que c'était en fait plus intéressant. C'est la fin du projet Fort Facile. C'était super fun. Après 2 ans, c'est enfin terminé. Il y a un ordinateur qui nous a lâché là hier et on a dû tout refaire notre montage. On a perdu une demi-journée de montage. C'était vraiment long à tout refaire, mais bon, c'est passé. Et maintenant, c'est la fin.